Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour ce 8ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 4. Et donc la dernière fois, nous étions attaqués au Kharghit Khanat qui nous avait aussi déclaré la guerre en même temps que le Royaume des Nords. Bon, le Kharghit Khanat avait récupéré 2-3 châteaux forts, mais on les avait repris, on a repris leur dernière grande ville. Maintenant, il ne reste que des forts. Les forts c'est compliqué, on l'a vu, j'ai un peu galéré d'ailleurs parce que je suis tombé sur le roi du Kharghit Khanat aussi au passage, c'était un peu la merde. Mais c'était sympa, et donc là on va continuer à expédier ce Kharghit Khanat parce que si on les élimine, il ne reste que trois factions en jeu. La mienne, le Nord et les Vaegir. Et ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment cool. Donc, nous sommes partis. Donc nous revoilà en jeu, après cette intro digne d'AlphaCast, nous allons nous diriger du côté du château de Drinstar, tant pis si le château d'HK machin là, il a plus de Jean-Jean, c'est pas très très grave. Ouah, 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 d'accord. Ah oui, bah il y a le Khan. Il y a le Khan Sanjar, d'accord. Ouais non, là il y a peut-être un poil beaucoup de monde en fait, parce que là il y a... Ouais non, il y a 400 Pékin, 400 Pékin je les fais pas, hein. On va aller plutôt du côté du château de Tulbuk. Tulbuk, Tulbuk. On va aller gentiment du côté du château de Tulbuk, parce que si on récupère ça... Ok, ils ont tout récupéré, il leur reste quasiment rien, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop cool. Alors, les anciens vétérans, c'est bon. Arbitre et vétéran, arbitre entraîné, on est bien. En plus, j'ai beaucoup, beaucoup d'unités. Alors là, 150 contre 160, il y a moyen qu'on y arrive. Merde, c'est une tour de siège. C'est une tour de siège. On va peut-être essayer de le faire plus tard. Je vais voir du côté du château de Neleg si c'est... Ah, c'est des échelles. Les échelles, c'est quand même plus simple. Allez, Borcha, fais-moi des échelles. Bon, Emirin, je m'en fous. Allez, on va regarder une entrevue avec... D'accord. Et j'ai pas regardé le nombre de personnes qu'il y avait. Bon, ça doit être un peu plus simple. Allez, Boubou. On se prépare. C'est joli, ça fait... Je m'étais jamais encore battu, je crois, depuis le début sur des... Des zones enneigées comme ça. Bim! Le petit archer monté qui s'est fait baiser la gueule. Je t'ai pas mis le bouclier à toi, Rolf? Ça m'étonne. Peut-être que je le fasse. Oh la vache. Allez! Allez. Aïe, 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 je prends des coups, ça vient d'où? Ça vient de là-haut, on va aller chercher. C'est toi, mon cochon. Voilà, il n'y a plus de toi. Alors là on est bien, le tout c'est d'aller chercher les derniers artilleurs qui nous font chier. Donc il y a eu un blessé, on est plutôt vraiment cool. Oh le saut que je t'ai fait! Avec ce moteur du jeu de l'enfer, ben, je pensais pas faire un saut pareil un jour. Hein. Oh la merde! Merde! Non! Wasn't planned. Wasn't planned du tout. Alors, faut faire très gaffe. Ok, on se cache. Les nouveaux ennemis sont arrivés, ils sont où? Où sont-ils? Là. Ah merde, on a perdu un tireur d'élite. Pas très très grave. Un mort contre 35, moi je dis c'est plutôt worse. Voilà. Le tout, c'est pas de se retrouver bloqué. Je sais pas où ce mec fait une voix de nana, ou alors c'est une nana un peu qui ressemble à un mec. C'est possible aussi. Hein. Aïe aïe aïe. En fait, j'aimerais bien remonter. Ouais, 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 pour éviter ce genre de choses. Il y a des tirailleurs qui traînent, je sais pas trop où. Mais. Comment ça, je l'ai pas tué?
Ah, ça m'étonne que je fasse pas de dégâts là. Il doit rester quelques-uns là. J'ai eu deux morts quand même. C'est pas parfait. Ils sont où les derniers? Dites-moi. Ah. C'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. Ah bah voilà. Quelque chose qui était bien fait. Clairement. On peut augmenter les unités. Petit sergent Rodoc, tout ça. Bon, bah du coup, il faut qu'on retourne au château de machin, parce qu'il restera plus que le dernier château, ensuite. On se fait celui-là, et on achète le suivant. Et on aura éliminé le Kargit Kanat. Alors, un tour de siège, ça va être un peu plus long. Alors là, il y a le roi qui me dit « Ok, pour tuer le gars, tu peux le récupérer. » Je vais le récupérer. Gentiment. Voilà. Bon, bah voilà. Du coup, j'ai récupéré Tulga. Il va falloir que... Ah, merde. J'aurais peut-être pas dû. Mais en même temps, si je refusais, il le filait à quelqu'un d'autre. Du coup, je... Ouais, voilà. Parce que le problème, c'est que j'ai laissé des unités. Donc, il fallait que je les garde. Ces unités, c'était soit ça ou soit je laissais à vide. Laisser à vide, c'était pas une bonne idée. Et voilà. Bon, bah du coup... Du coup, voilà, j'ai récupéré Tulga et en même temps, ça me fait un peu chier. Rendez-vous. Bon, bah, allons-y, hein. Alors, hein, ça fait chier parce que c'est pas du tout le genre de mode que j'apprécie. C'est pas... J'allais dire, c'est pas balance. Ça commence en entrée de jeu, un mec qui se fait tuer. Bon. Alors, on va dire ok. Et ben, c'est parti pour cette longue et glorieuse attente. Et moi, je vais aller nine-gaguer en attendant. Allez, on y arrive presque, on y est presque, sachant qu'on n'a pas eu un seul mort ni un seul blessé, ce qui est très 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 étrange, et on a même eu que des... voilà, on continue, ça continue, donc les mecs ne s'en sont pas pris de coups. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que aujourd'hui je ne serai pas poissard? Alors, c'est perturbant. Bon, il va me faire mentir, je sens, en sortant 25 000... Alors, là, va falloir laisser passer. Je veux pouvoir passer. S'il vous plaît. Il va me faire tomber. Ils vont me faire tomber. Je sens très mal. Ah oui, je suis mort. Poussez-vous. Je veux rentrer dans le flou. Laissez-moi un petit peu de truc à taper. Non, mais je vais me retrouver dernier. Il faut un massacre. Eh, sans moi. J'en ai pas encore touché un seul. Ah. Ah, il y a eu un assommé. Oh, c'est quoi ce... Hein? Ah merde! Le hérisson qu'il y avait! Oh merde! Mais je voulais pas descendre jusque là en fait. C'est sympa de descendre, mais pas autant. Aïe! Oula! Oula, je prends des tirs de tirailleurs là, c'est pas sympathique. En vrai, je suis pas bien. Ça a monté. Ah. Comment ça, je l'ai pas eu? Mais voilà. Plus le temps. Oula! J'avais pas prévu ça. Ouah! J'ai pris 4... Oula. Je vais me cacher. Tiens, d'ailleurs, on peut se cacher dans les trucs. Alors... Ça m'étonne quand même beaucoup qu'il ne meure pas en un seul coup. Mais peut-être...
que je m'améliore un petit peu en attaque à force d'améliorer en charisme. Je pense que... Putain, putain, putain. Ah non! C'était pas prévu! 7 blessés contre 96. Alors, rendez-vous. Bon bah, il faut que je recommence. C'était pas prévu. Ouais, j'ai pris un peu cher, j'ai fait un petit peu trop le YOLO, c'est pas très très grave. On va repartir, normalement, on sera tranquille. Ça devrait être assez simple. Allez, nous y arrivons. On y est presque. J'ai perdu un peu plus d'unités. Cette fois, j'en ai eu 2 contre 6. C'est moins efficace que la dernière fois, mais je crois que les meilleures unités sont là, en fait. C'est surtout ça. Allez. Allons-y, c'est parti. Mon kiki. Bon, il y a encore des gros hérissons. Hein. Les boucliers des sergents Rodox sont vraiment très solides. Beaucoup plus solides que les miens. Hein. Alors. Le tout, c'est de pas se faire distancer dans la mêlée. On va faire quelque chose. Mais je veux pas taper le mur! Ni taper mes alliés. Je veux taper des gens. Alors. Là, ce qui m'énerve, c'est pas de pouvoir les one-shotter. Alors, il n'y a plus d'archers, c'est bon. Alors, là, essayez de pas tomber parce que c'est encore la connerie à ne pas faire. Oui. Bon, j'ai pris un léger 4. Pas très grave. Là, j'ai repris un léger 4. Ça continue d'arriver, hein. Il y en a combien? J'avais l'impression d'avoir fait un massacre. Ah, mais c'est mes sergents Rodok, ils les assomment plus qu'ils les tuent. Du coup, forcément, faut qu'on se rebatte contre eux. Hein. Parce qu'ils survivent. En grande partie. Alors, le tout, bah, c'est de ne pas se faire tuer une nouvelle fois. Hein, pour pas avoir à recommencer. Là, il commence à me tuer des unités là-haut. Oh. Mais qu'happen? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait un mélange entre Whatsappen et Kepasa. Donc j'ai fait un mélange espagnol et anglais. C'était bizarre. Alors. Alors, les. Qu'on finisse ça, s'il vous plaît. Commence à m'énerver. Je crois qu'on arrive au bout. Yay! Alors 5 morts. Ouais, j'étais pas. C'était pas aussi efficace. Hein. Bon, c'était quand même pas mal, on va pas se le cacher. C'était quand même plutôt bien. Bon alors après c'est que du soignant, donc je m'en fous un peu. Récupérer des tireurs d'élite que j'ai perdu, des sergents. J'ai pas perdu de sergent, mais c'était pas ouf non plus. Pas demandé de récompense. Alors, maintenant, la question c'est est-ce qu'on va arriver à choper le château le plus vite possible? Oh, j'ai plein de... Il va falloir aller sur le dernier château. Et là, la question, c'est est-ce qu'on va y arriver tout seul? Ça m'étonnerait fortement. Ah, si, c'est faisable avec tout ce qu'il y a dedans. Putain, ils ont récupéré le château. Évidemment, ils vont toujours récupérer les châteaux à chaque fois que... Ça va être le jeu du chat et la souris, pour le coup. Hein. Ça va être clairement... Ils vont le récupérer derrière, je suis sûr. Bah nous on va y retourner hein. C'est tellement loin. Pourquoi on démarre aussi loin bordel la couille? Quel est l'intérêt? Dites-moi. Je veux bien que ce soit un minimum réaliste, mais c'est quand même vachement loin.
Alors on va mettre 20 plombes, hein, pour le coup. Bon, alors. Faut trouver un sujet de discussion maintenant, pour pouvoir meubler jusqu'à ce qu'on arrive là-haut. En espérant qu'on n'ait pas à le refaire plusieurs fois, parce que là, pour le coup, ça va me faire chier. Bon, alors, j'ai des flèches dans le bouclier, mais ça a l'air de tenir. Je fais rempart de mon corps! Ou pas trop. Alors, par contre, il va se faire bousiller. Je sais pas qui est arrivé le premier, mais... C'est Rolf. Alors, s'il arrive à tenir, mon cochon... Non, il a pas réussi à tenir correctement, mais... Mais j'arrive! J'arrive, Rolf. Ton sacrifice ne sera pas vain. Allez, je suis du RP. Soyons fous. Alors, là, c'est bon. Aïe! Alors, on va aller chercher ces archers rapidement. Ok. Il y en a encore plein, il y en a encore plein. Je vais faire le tour des remparts avant qu'il y ait quoi que ce soit, parce que sinon, on va avoir des petits problèmes. Où est-ce qu'ils en sont? J'ai eu 0 mort, 3 blessés. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mais c'est par là qu'ils arrivent. Ah, mais pour l'instant, il y a beaucoup de merde. Je vois des unités Rodok. Mais des genres des hommes du clan Rodok, donc c'est pas ouf. La Firente, ça atteint le niveau 17. Alors, les tirailleurs. Oula. Ok. Il y a beaucoup d'hommes du clan Rodok. Hein. Alors là, je sais pas sur quoi j'ai buté. Si, j'ai buté sur la rambarde. C'était ridicule. Il y a des tirailleurs. C'est pas ouf hein, comme armée. Hein. Ah non, là, c'était con. Ça, par contre, c'était particulièrement con. Sauf que je vais me retrouver bien derrière. Ah! Viens là. Ah, c'est pas bien comme endroit. En même temps, ils font le café là, mes alliés. Ils sont tranquilles. Ah, et puis mes petites unités qui montent de niveau, c'est cool. Bon, là, ça rip-up. Ça ripop beaucoup. Allez, non, je voulais marcher sur la rambarde, arrêtez. Ils m'ont encore poussé. Bon, la première fois, c'était moi qui avais un peu sauté. Je dois avouer, c'était pas hyper malin de ma part. Oula, 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 oula. Ouh, putain. Faut que je puisse esquiver. Aïe, aïe, aïe. Faut que je me cache, ou alors que je fasse quelque chose. Je vais me cacher. Je suis caché, on peut plus m'avoir. Oula, 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 oula. Il reste encore un peu de monde, on va se cacher un peu. Il reste encore 32. Hein. Putain, faut vraiment faire gaffe aux tir. Putain, les tirailleurs, ça fait mal. Ça fait particulièrement de mal. Mais non, mais absolument pas. Zéro point. Je suis si nul que ça. Mais je tire sur quoi là? Je finis par tuer des gens, mais c'est pas hyper efficace, hein. Ah, il reste lui. Il devait me tirer dessus depuis le début sans arriver à me toucher.
Il en reste? Ah oui, il en reste. Oh! Ah d'accord, en fait, ici on peut pas bien passer. Bon. Ça, c'est une bonne chose de fait. Il en reste encore un. Il en reste encore un, ta mère. Il est où? Il est là-haut? Tu peux pas passer par ici. Où est-ce qu'il peut bien être? Tout là-haut, là-haut. C'est quand même ballot. T'es pas forcément dans le meilleur des endroits. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont modélisé toute cette partie de la map qui ne sert absolument à rien. C'est un peu con, mais ici ça ne sert absolument à rien si ce n'est à faire joli. Allez, la fin. J'aime bien les bruitages, ça fait genre vieux jeu de baston un peu bizarre. Tout, 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 tout. Eh oh! Ah voilà, quand même! On a mis 20 ans à faire quoi que ce soit, c'était bizarre. Vous êtes mon prisonnier à présent. Vous êtes mon prisonnier. Ok, donc j'ai récupéré quelques prisonniers, ce qui est plutôt cool. Tireur d'élite, sergent. Ah ah, il monte de niveau, mais ça c'est après que je vais le faire. Sergent Rodoc, on va recruter. J'ai pas des trucs vraiment stylés. Ancien vétéran, c'est toujours pratique. Chasseresse. D'accord, c'est chasseur au féminin, oui, évidemment. Ça m'a l'air d'être bon. Pas de mandat de récompense. Pas de posté de garnison. On va upgrader nos unités. Commence à avoir plein de sergents Rodoc. 38, on est bien. Firentis, Firentis, mon ami. Bah, toi, tu me sers à rien, donc du coup, hop, on va te monter à santé. 65, moi j'ai pas autant de PV quand même, hein. Donc faudrait peut-être que je fasse quelque chose sur ma force. Les alites, je crois qu'il me sert absolument à rien. Dans 2 secondes, je vérifie. Ah, mais tout le monde est blessé. Ah, putain, je peux pas voir. Mais je crois que de toute façon, il n'y a que Borsha et Marnin qui me servent. Donc bah, tu vas monter la force et tu vas monter ta vie. Allez, reste du GAN. Enfin. Regardez l'inventaire. J'ai plus de bouffe! Ouh, chance. Non, pas le vin. C'est vrai que ça consomme tellement du sel. On achète du sel, je suis pas assez salé. Ouais. Faut que je fasse gaffe, hein, parce que ça consomme énormément, une armée de cette taille. Hop. Alors. Y a que dalle. Y a que dalle. Y a personne dedans, ça va être rigolo. Ok, ils veulent pas se rendre. Je suis d'accord. On va les écraser. Alors. Ça va être assez facile. Alors, je peux pas. Ah! Je peux pas avancer tout en appuyant sur la souris, en maintenant clic droit et en même temps appuyant sur la barre, sur le retour chariot, pour pouvoir afficher la carte et le nombre d'unités. Donc tant pis, on le fera plus tard. Allez, c'est parti. Ça commence bien. De toute façon, il va y avoir 3 pauses unités qui se courent après. Quoi? J'ai glissé dessus. Ok, ça c'est fait. Voilà. On va monter.
Non mais oh. Ok. J'allais partir sur le chemin avec eux. Ah, 26. Ah non, mais non, ils ont quand même encore des unités qui arrivent. Hein. C'est vrai que ça arrive par ici. L'intelligence artificielle est quand même pas ouf, hein. On les voit passer. Heureusement qu'elle est comme ça, leur intelligence artificielle, hein, parce que sinon, je dois avouer que la prise de force serait plutôt complexe. Nouveaux ennemis? Pas vraiment. Si, 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 il y a de nouveaux ennemis. Ah, il y a quand même pas mal d'unités en fait, hein. Je pensais qu'il y en avait moins. Lui, il a eu le temps de sortir un truc. Je vais voir s'il y a quelqu'un là-haut. Non, il n'y a personne. On est bien. Ok. Alors toi là-haut, quelqu'un va te déloger. Je l'ai pas eu. Ah mais il est mort avant. Allez, il reste plus personne. Et ils visent bien les tireurs d'Elytrolok, hein, ils font pas de quartier. Yay! Tous des prisonniers. Eh, on les a tous eus. Il n'y a plus de violet. Il n'y a plus de violet. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à maintenir ce statut-là suffisamment longtemps pour que bah, le royaume disparaisse. Allez, hop, on lui vend. 2100 deniers, je m'en fous. C'est pas très 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 important, mais en même temps, j'en ai pas besoin de beaucoup. Ah putain, ils ont récupéré les trucs. Bon bah on y retourne, hein. De toute façon, ça va être ça, hein. Jusqu'au moment où on arrivera à maintenir le truc, ça va être ça. Il va falloir que j'aille acheter un peu de nourriture d'abord. On va aller passer à... Bah, on va passer à Ishamur, c'est sur la route. Ah mais Ishamur, c'est pas des gentils. Putain, ils ont tout récupéré. On va commencer par ça. Merde, j'ai dit ok. Ouais. Ok, on va lancer le truc. Je vais même pas avancer. Je vais même pas avancer. C'est bon, il y en a 16. Oh, un trébuchet! On peut pas se servir du trébuchet là au lieu de. C'est juste pour faire joli, c'est ça? J'ai cru qu'il partait pas, mais en fait, si. À combien? On en a 42 contre 14. Ouais, c'est bon. Allez, on a gagné. Ce qui me paraît assez étrange, c'est d'avoir placé un trébuchet, mais qui sert à rien, quoi. Juste pour faire joli. C'est comme le ciel. Il est juste là pour faire joli. Bon. On va expédier ça, hein. De toute façon, c'est sûr que si je prends les châteaux et que je les laisse vides, eh ben, ils vont se faire reprendre assez facilement. Il suffit qu'il arrive, il fait oh, il est à moi. C'est chiant, mais j'ai pas tellement le choix parce que sinon je perds des unités et c'est pas ce qui me plaît le plus. Je pourrais en mettre une. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas si ça les ralentirait beaucoup de mettre une unité fantôme à l'intérieur, un truc juste bidon pour qu'ils soient obligés de la CG. Je sais pas trop. Non, dans l'idéal, il faudrait que je sois aidé par les autres Jacko, mais les autres Jacko, ils en ont rien à branler de ce que je fais, du coup, bah voilà. Allez, il en reste 4, trouvez-les, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux dire en attendant? Pas grand-chose. Je vais explorer la map. Il y a un coffre. Normalement, il doit y avoir un coffre. Pour changer des affaires. Il n'y a pas de coffre. Allez, il en reste 3, s'il vous plaît. Allez chercher un peu plus vite que ça. Moi, je vais explorer un petit peu en attendant.
Stupidou. Dans le doute, je vais tirer. Putain, il s'est fait. Rolf a réussi à se faire avoir. Sérieusement. Peut-être que je vais mettre un bouclier aussi. Ça peut être très utile. Allez, là, il va se faire défoncer. Je vois les points. Voilà, c'est bon. C'est le GG. C'est pas hyper compliqué comme combat, mais bon, fallait le faire. Donc je disais, je voulais aller, bah non, pas à Ishamur, parce qu'évidemment, c'est des pas gentils avec moi. Hop, je vends les. Je vends gentiment certains mecs. Ah, il me faut de la bouffe, parce que de toute façon, là, on repart en campagne, il faut finir tout ça, hein. Allez, du côté de Château de Tulbuc, on y va. J'ai envie de tout finir, en fait. J'ai envie de tout finir, ce château, enfin, ce royaume. Qu'il soit éliminé de la carte, rayé, détruit, tout ce que tu veux, et qu'il n'existe plus. Voilà, le château, il est gentiment assiégé par quelqu'un d'autre. Putain, il a été récupéré. Ouh, que ça m'énerve. Bon. Par les échelles. Mattel qui a atteint le niveau 19. Alors, persuasion augmentée. Rendez-vous! Bon, bah, cette fois-ci, il va falloir qu'on réattaque. Oh, ça va faire un épisode de 50 milliards de minutes. Mais j'ai envie vraiment de me débarrasser du Kargit Khanate une bonne fois pour toutes. Ils ont jamais été des très grands adversaires, mais. Ils m'ont toujours un petit peu. Bah, ils étaient là, quoi. Et à un moment, quand on veut unifier et faire la paix sur Caldaria, il faut se débrouiller, il faut sortir un peu les doigts du cul. Et mettre les mains un peu dans le cambouis. Voilà. Donc, c'est ce que je fais actuellement, gentiment. À coup de pacification brutale. C'est ce qu'on appelle pacifier un pays. Send nukes. Allez, où sont les renforts? Ils sont en dessous, ils lancent des haches. Ce qui est quand même bien swaggy swag, je dois dire. Bim! Le tir à la tête! One shot! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Y'a que moi pour faire des shots pareils. Mais pourquoi je peux pas passer? Il y a un mur invisible. Eh. Là, par contre, il n'y a plus de mur. Et il reste là-haut. Ok. Il en reste un, il va se retuer. Voilà, c'est bon. Et il en reste un dernier. Ok, c'est le GG. On est bon. De toute façon, on va les épuiser comme ça, hein. On va les épuiser comme ça, c'est pas un problème. Je suis parfaitement capable de le faire. Le tout, c'est que ça prenne pas non plus un milliard d'années. Alors, je voulais faire juste un truc. Mathilde sert à rien, donc je vais t'augmenter en force, hein, comme d'hab. Soit. Allez, Boubou aussi, ça va bien. Allez, on retourne au château de Bidule, notre château d'Asugan. Château d'urine. Oh, je m'en fous. Ah merde, château d'urine assiégé. Ils vont le récupérer, ça va être encore chiant. Alors, lui c'est bon, on a récupéré le château gentiment. Je vais essayer de poster un truc fantôme. Je vais juste donner de la cavalerie mercenaire, on va voir ce que ça va donner. Je vais aller aider le château de Bézul là.
Putain, on va plutôt aller du côté du château d'Urine, on va récupérer le château d'Urine. Oui, j'ai échoué la quête de rendre visite à une dame. Je sais. En même temps, elle était un petit peu chez l'ennemi. Ah putain, j'avais complètement oublié cette histoire de Royaume des Nords. Ils sont pas en train de me tout me prendre. Ah non, c'est bon. Ils ont rien pris en fait. Hein. Ils ont quasiment rien pris. Du coup, on est bien. Alors, le château de Bidule, il y en a combien? Vingt-deux. Ouais, ça va être vite fait. Hein. Merde, j'ai oublié de le faire. Voilà, c'est bon. Voilà, on va aller du côté de la Mirade rapidement. Merde. Voilà. Ok. Ah putain, il était récupéré, il est assiégé. D'accord, donc mettre un demi, ça sert à rien. Je sais pas où elle est. Ils ont tout récupéré. Ils ont tout récupéré, ça m'énerve. Ça me les brise carrément. On va réessayer une dernière fois de tous les. De tous les attraper. Non, c'est pas un Pokémon non plus. Hein? Ah mais il est assiégé, d'accord, ouais, ok. Lui aussi est assiégé. Bon, alors lui a été récupéré. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, je vais faire un truc. Lire un bouquin. J'ai pas des bouquins? Faire une action, sélectionner un livre à lire. Voilà. Vous pouvez pas le désassiéger, s'il vous plaît? Ça y est. Ah! Bon, faut le faire. En espérant qu'il faudra pas faire encore ça 25 milliards de fois. Allez, on y retourne. Cette fois-ci, ils sont un peu plus. On va y aller. J'espère que ça va être le dernier château à faire, hein, parce que j'en commence à en avoir un peu marre. Je veux éliminer Skargit Kanat. Et en même temps, j'ai pas envie que l'épisode dure 1 heure complètement, parce que sinon, ça va être vraiment long à faire. Et long à regarder. Peut-être que je le scindrai en deux, je sais pas. On verra. Peut-être que ça sera un des rares, j'en ai même jamais fait, épisode scindé en deux. Pour des raisons de longueur, parce que si ça dure plus d'une heure, ben. Déjà, j'espère qu'il n'y a pas la place. Il y a la place dans mon disque dur, sinon, vous n'aurez qu'une seule partie. Ce qui est pas drôle. Alors, ça follow. Alors, les tirailleurs, ils ont tendance à faire bien bobo. Hein. Aïe! Laisse mes gens tranquilles. Voilà. Ouais, les tirailleurs de partout. Alors, il y a ceux de là-bas. Oh, qui me tire dessus encore. Ah, mais si encore celui de là-bas tout au fond. Bon, allez, faudra s'occuper de ça aussi, évidemment. Voilà. Bon bah je vais essayer gentiment d'aller chercher.
Ah, mais ça passe par pas là, on est obligé de faire le tour. Oh, et ça va être chiant. Il en reste deux, il y en a un en bas et un là-haut. Celui de là-haut, il va se récupérer par tout le monde gentiment. Moi, je vais chercher celui qui est en bas. Allez, viens là. Faut que je puisse passer. Alors qu'il fasse quelque chose. Ils sont pas arrivés à le toucher. Alors lui, le château, j'ai pas envie de le reprendre parce que c'est vachement long. Ce troll! Sérieusement, j'arrive, il le tue, quoi. Oh là là! Ok. Du coup. Normalement, c'est bon, il reste juste le château de Bidule là. Château de Tudebuc. Et normalement, on aura tout récupéré et ils n'auront plus rien. Ah bah voilà. Aïe. Ah mais je suis où, moi? Le tout, c'est qu'il ne récupère, il ne récupère pas un seul château. On va se mettre dans une grande ville, on va attendre un petit peu. Le temps qu'ils me disent, ok, tu n'as plus le... Putain, Cargill de Canatap. Oh! Bon, alors, petit récapitulatif. Ben, en fait, ils sont encore très chiants. Ils arrêtent pas de choper des châteaux dans tous les sens. Ils mettent trois pauvres Pékins à l'intérieur. C'est très, très chiant. Clairement, ça commence à m'énerver très, très fort. Du coup, on va arrêter là cet épisode. Je vais peut-être essayer de faire finir ça en off-cam. De toute façon, en plus, il y a le royaume des Vaïgir, donc les Blancs qui ont déclaré la guerre au Cargill de Khanat. C'est foutu, ils sont morts, faut juste les écraser. Mais c'est compliqué, ils n'arrêtent pas de tourner dans tous les sens. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est on arrête là cet épisode, et je vais essayer de faire ça dans mon coin en attendant. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous, portez-vous bien.